Bonjour, et oui, me revoilà, donc pour vous parler du live de dimanche 20h30. Vous avez dû remarquer que moi, pour mes lives, j'ai quasiment jamais de petites feuilles, ou du moins pas, j'ai peut-être une ou deux feuilles pour vous présenter un peu, pour le début, pour démarrer, parce que des fois, c'est, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'un live ou de faire des vidéos, c'est un peu compliqué. Je vous rappelle que j'ai commencé YouTube il y a plus 6 ou 7 mois, parce que je croyais qu'il y en avait 5, mais là j'ai regardé les vidéos, non, ça doit dater depuis 6 ou 7 mois. En fait, avant 7 mois, je connaissais YouTube de nom, mais autrement, je n'allais même pas voir de vidéos sur YouTube. Donc je connaissais quasiment rien de cet outil, de ce moteur de recherche, parce qu'il faut bien comprendre que c'est un moteur de recherche. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes, certains sont des vrais professionnels, on leur trouve, parce qu'ils ont plus de 60 ou je sais plus combien de milliers d'abonnés qu'ils ont sur leur chaîne YouTube, et on le voit aussi par rapport à quand ils sortent une vidéo, ces abonnés regardent justement ces vidéos parce qu'ils sont abonnés pour ces vidéos. Et justement, je vous en ai parlé dans une vidéo avant, une précédente vidéo, que certains YouTubeurs achetaient leur c'est des abonnés. Oui, des abonnés pour leur chaîne YouTube, pour justement pour que dans ce moteur de recherche qui est YouTube, qui soit bien placé par rapport à quand vous faites une recherche comme femme ukrainienne, femme russe, etc. Et que ça soit le premier dans la liste, ou l'un des premiers, pour que vous puissiez regarder tout de suite ces vidéos et faire la promotion de son agence. Donc ce sont des menteurs, des voleurs et des escrocs, étant donné qu'ils achètent ces abonnés. D'ailleurs, certaines vidéos en parlent, et puis c'est pas moi qu'on parle, ce sont de vrais professionnels qui sont sur YouTube, et justement, certaines vidéos de ces messieurs parlent comme quoi c'est une escroquerie, ce sont des escrocs. Mais on s'en rend vite bien compte, parce que quand vous avez 30 ou 40 000 abonnés, et que vous avez 1500 vues sur YouTube par rapport à vos vidéos, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que ce sont des voleurs et des escrocs, et qu'en fait, ils manipulent YouTube pour être en haut de la liste quand vous faites une recherche. Donc moi, je ne suis pas là, j'en serai certainement jamais. Peut-être que ça mettra plus de temps qu'eux pour avoir 20 ou 30 000 abonnés. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas 20 ou 30 000 abonnés, ce seront ces 1500 ou ces 2000 vues, parce que ce sont de réelles personnes qui sont intéressées justement pour rencontrer une femme en Ukraine. Et c'est vous, messieurs, c'est ces messieurs qui m'intéressent et qui j'espère, un jour, vous vous rendrez compte et vous ouvrirez les yeux par rapport à ce que j'espère de vous expliquer sur l'Ukraine. Et c'est pour cette raison aussi que depuis quelques semaines, j'ai commencé à faire ces lives. Vous avez dû remarquer également que le début de ces lives, j'ai eu une petite feuille blanche pour essayer de débuter, pour essayer de lancer le live, parce que c'est pas toujours évident, mais surtout quand on connaît, quand on commence, quand on débute, c'est pas facile, mais vous avez dû remarquer qu'ensuite je laisse la parole à la communauté, je les laisse, même si des fois il y a des blancs, parce que des fois ils sont un peu, c'est un peu difficile à démarrer, messieurs, vous avez plein de questions, pouf, il n'y a plus rien, mais après ça repart. Après ce rapport, après on a quelques questions, je me mets également en danger. Oui, se mettre en danger sur un live, parce que c'est du direct, et laisser l'opportunité de laisser des messieurs poser des questions, oui, ça peut être difficile, les réponses peuvent être compliquées, peuvent être aussi peut-être, pour moi, peut-être difficiles, par rapport à apporter les réponses. Donc il faut que je réfléchisse, parce que je vous rappelle que c'est pas du tout travaillé, je ne travaille pas du tout ces questions avec ces messieurs de la communauté. Si vous en doutez, venez sur justement notre communauté qui est repartie. Ça, pendant quelques semaines, ça a stagné un peu, puis hop, ça y est, c'est reparti. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça y est, pouf, elle est repartie. Donc je suis content, on est de nouveau en pleine, on est en ascension, et toutes les semaines il y a de nouvelles personnes qui reviennent qui arrivent sur la communauté. Je ne sais pas pourquoi pendant plusieurs semaines elle a stagné, puis là c'est reparti. D'ailleurs, vous avez dû voir aussi par rapport à mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais, j'en ai pas beaucoup, mais j'en suis déjà très fier
que déjà il y a 130 et quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube parce que vous retrouvez à peu près le même nombre de vues sur ma chaîne YouTube ou plus, mais jamais, du moins, si ça arrive quelquefois moins, mais pas beaucoup, on est bien d'accord. Peut-être aller 20 ou 30 personnes en moins que sur les abonnés. Donc on se rend bien compte que moi je ne m'accouille pas, je ne vous mens pas. Là aussi, vous pouvez constater qu'il n'y a aucun mensonge et aucun magouillage par rapport à, aucune magouille, excusez-moi, par rapport à ce que, même par rapport à ma chaîne YouTube. Donc, alors quel sera, alors vous allez me dire, bon, tu vas cracher ta valda ou non, tu vas nous dire quel sera le, quel sera le sujet justement de ton live pour qu'on se prépare, pour préparer nos questions. Eh bien, justement, on en parle beaucoup, vous êtes souvent à me poser la question, vous êtes souvent à vous poser la question, il y en a certains qui disent, bah, c'est bien d'avoir des partenaires. Puis d'autres qui disent non, non, faut surtout pas avoir de partenaire, mais je vous rappelle quand même que c'est grâce à ces partenaires qu'ils ont débuté leur activité en tant qu'agence matrimoniale. Donc c'est bien de cracher dessus après quelques mois ou quelques années de partenariat avec ces agences, et puis d'un seul coup on se dit, ben, on n'en a plus besoin. Donc moi je vais vous expliquer tout ça, le pour, le contre, et puis également pourquoi on se défait de certaines agences quand. Voilà. Certains moments, quand on est un peu connu sur YouTube, quand on est un peu connu sur la toile, pourquoi on se débarrasse de ces partenaires qui nous ont bien rendu service, mais qu'ensuite on n'en veut plus. Donc je vais vous expliquer tout ça dimanche à 20h30. Je sais que c'est déjà quelque chose déjà que j'ai parlé, que je vous ai déjà fait dans deux vidéos précédentes, mais je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Pour bien comprendre l'intérêt d'avoir des partenaires et bien comprendre pourquoi certaines agences n'en veulent plus. Donc, je vous dis, ah, bien sûr, pas de papier, je vous laisserai vous exprimer comme je le fais d'habitude, vous, messieurs, qui êtes sur la communauté Viber. Je vous laisserai, ben, me poser des questions et me mettre en danger, parce que oui, des fois c'est un peu de stress, et des fois il y a certains messieurs qui aiment me mettre en difficulté, et même mettre, voilà, hein, on sait bien, pouf, je sais plus où j'en suis, je suis un peu perdu. Donc ça, Thierry me l'a fait dimanche dernier. Donc voilà, on s'amuse, on plaisante, mais le fond est quand même très sérieux, parce que c'est quand même votre avenir sentimental qui est question. Et je pense qu'il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir vous aider, pour pouvoir comprendre ce panier de crabes qui est en fait les sites de rencontres femmes de l'Est, parce que je vous assure, les agences matrimoniales, des vraies agences matrimoniales internationales, bah, il y en a très peu. Allez, je vous dis ciao et puis à dimanche.